Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo qui va être un petit peu particulière puisque c'est une vidéo qui va mettre un terme à quelque chose afin de lancer quelque chose de nouveau. Rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ce qui va se passer là dans cette vidéo, c'est pour ça que je vous la fais. Pour également vous donner quelques nouvelles pour ceux qui me suivent parce que j'ai encore ma santé qui a fait des siennes, enfin qui fait toujours des siennes, mais là il est temps que je réagisse vite, très vite, parce que je suis en train de souffrir d'un mal qui, c'est le cas de le dire, me fait extrêmement mal d'ailleurs, et qui est aussi le signe de quelque chose dont il ne faut pas que je passe à côté. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que mon corps m'envoie des signaux d'alerte, comme vous le savez, hein, depuis mon opération dentaire en fait. J'ai remarqué, alors je sais pas du tout si c'est lié, si c'est une coïncidence, mais depuis qu'on m'a arraché ma dent de sagesse, hein, vous savez, celle qui était toute pourrie, qui me faisait affreusement souffrir. Eh bien, puisque j'ai été opéré le 21-22 décembre, un truc comme ça, j'ai enchaîné merde sur merde, vraiment. Puisque j'ai commencé le début d'année, j'avais été extrêmement malade. J'avais été à peine remis que 15 jours après, boum, rebelote. Et puis, rebelote encore. Et puis, quand c'est pas la grippe, c'est une angine. Et puis, quand c'est pas une angine, c'est encore autre chose. Et là, dernièrement, je peux vous dire que depuis dimanche matin, je souffre, mais comme jamais je n'ai souffert dans ma vie. Et pourtant, Dieu sait que niveau intestin et tout ce qui se rattache aux maladies intestinales, je pense que je connais à peu près tout ce qui peut se faire, hein. Mais là, je suis en train de vivre un truc que jamais je n'ai vécu jusqu'auparavant. Et pour moi, c'est le signe impératif qu'il faut que je réagisse et qu'il faut que je fasse quelque chose vite, vite, très vite. Bon, avant de vous parler de tout ça, il va y avoir du changement, un changement assez important en termes de tout, en termes de tout ce que je vais faire sur la chaîne, de qui je vais devenir aussi, parce que je réalise beaucoup de choses. Je réalise que je suis beaucoup trop gentil en fait, beaucoup trop. Et ça va changer drastiquement, vraiment. C'est-à-dire que le petit Jonathan qui est toujours à la disposition de Pierre, de Paul, de Jacques, qui se met en quatre pour satisfaire les besoins de machin, jusqu'à sacrifier le peu d'énergie qu'il a, le temps, etc., etc. Tout ça, c'est terminé. Clairement. Franchement, j'en ai rien à fiche. On pourra me traiter d'égoïste. Ils auront bien raison, les gens. Mais alors, vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que désormais, je vais penser à moi et uniquement à moi seul. À mon plaisir, à ma vie, aux personnes qui sont autour de moi, sur lesquelles je peux réellement compter. Hein, c'est-à-dire toutes les personnes, les fortes têtes, qui campent sur leur position, qui sont toujours à rejeter la responsabilité sur le dos des autres, qui ne sont pas capables de se remettre en question, etc., etc. Toutes ces personnes-là, elles dégagent de ma vie, loin, le plus loin possible, et qu'elles ne viennent plus ni me parler, ni me demander quoi que ce soit, ni me solliciter, ni rien, parce que là, c'est terminé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Concernant la chaîne aussi, je réalise que ça fait des mois que je me rends malade pour cette chaîne. Je vous en parle souvent, hein, les statistiques YouTube, le nombre de vues, vous le savez en plus que YouTube c'est mon seul revenu, donc c'est une source de stress et d'angoisse permanente pour moi, à tel point que ça me ronge littéralement la santé, parce que je suis toujours là à réfléchir en me disant oh, il faut que tu produises du contenu, il faut que tu fasses telle vidéo, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, oh, sinon tes chiffres vont tomber, etc., etc. Et je peux plus vivre comme ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que ma chaîne, maintenant, quand je l'ai créée, c'était avant tout un plaisir, et là, maintenant, c'est devenu une prison, en fait. Je suis là, complètement dépendant de cette chaîne, à me dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Tu le fais pas, ça va pas aller, c'est non, et non, ça aussi c'est plus possible, c'est vraiment plus possible. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est-à-dire que la chaîne va connaître un apurement en termes de vidéos, c'est-à-dire que je continuerai à en faire, je vais continuer à vous faire les énergies, etc., faire des guidances quand je me sens l'envie, quand j'ai besoin de le faire, etc. Il y aura toujours de la magie, c'est-à-dire que la chaîne en elle-même ne va pas changer dans sa forme, ni dans sa conception, ni dans le contenu que je vais vous proposer, il y aura toujours les mêmes choses, simplement je vais
rédimer la cadence parce que j'arrive plus en fait, j'arrive plus à suivre et puis je prends plus le même plaisir qu'autrefois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment une usine. Faut produire, 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 produire au détriment de la santé physique, de la santé mentale, de tout, tout. Donc non, c'est plus possible, c'est clairement plus possible. Tout ça pour gagner en plus des pelures d'oignons. Non, non, franchement, non. Donc je suis en train de réfléchir à plein de choses. Je vais changer ma façon de faire, ma façon de travailler également. Je pense que voilà, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des choses que je vais arrêter. Les nouveautés, bah déjà vous le savez, hein, il y a ma fameuse chaîne Twitch sur laquelle je prends beaucoup plus de plaisir en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de live parce que souvenez-vous, pour ceux qui me suivaient au début, je faisais beaucoup de live et j'adorais les lives parce que j'avais cette interaction avec vous. Je pouvais lire vos commentaires, je pouvais vous, entre guillemets, vous parler d'une certaine manière et ça me faisait du bien. J'avais l'impression vraiment de passer du temps avec vous et j'avoue que ma chaîne Twitch, c'est vraiment quelque chose pour l'instant qui me plaît beaucoup et sur lequel je retrouve un petit peu mes débuts parce qu'en plus bah, je retrouve le matériel initial que j'avais, à savoir mes petites webcams, mon petit micro, tout ça et la petite installation, on va dire, sommaire des débuts et ça j'aime bien. Puis j'aime bien l'énergie Twitch, j'aime bien vous partager d'autres choses que la magie, les cartes, etc. Vous le savez, ceux qui me suivent sur Twitch, on fait des jeux, on fait plein de choses, on rigole bien, on rigole beaucoup, franchement, on rigole beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch parce que Twitch va prendre plus de choses, va prendre une nouvelle ampleur puisque je ferai aussi des lives voyances, des lives paranormaux, on en a déjà fait un, live paranormal. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre aussi sur Twitch hein, pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse se faire un petit peu de bien. Concernant les nouveautés, j'ai décidé, une décision unilatérale, de reprendre les consultations, mais là encore, je vais pas me lancer dans les tarifs à la carte et compagnie. Je suis pas un restaurant, là aussi, il faut que j'arrête. Voilà, il faut que je pense pratique, il faut que je pense à moi avant tout. C'est pareil aussi, les personnes ou les futures réflexions qui pourraient arriver, même si je sais qu'il n'y en aura pas, parce que pour la plupart, vous êtes bienveillants sur cette chaîne, mais il y a toujours deux, trois langues de vipère, hein, il y a toujours deux, trois brebis galeuses, des petits bubons dont on se passerait bien, voilà, ça malheureusement il y en a toujours. Bah franchement, vous pensez ce que vous voulez de moi, j'en ai mal alors rien à foutre, vraiment, sincèrement. Faites-vous plaisir, je m'en fous, parce qu'au pire, faites-vous plaisir, bah, vomissez votre commentaire, vous serez signalé et vous serez bloqué, banni de la chaîne ensuite, donc j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc déjà, je perdrai plus du tout du temps à consacrer aux trolls, aux personnes malsaines, aux personnes toxiques qui n'apportent strictement rien à la Terre. Hein, non, mais on va parler honnêtement. Je suis désolé, il y a des personnes dont la planète se passerait volontiers, hein, quand même, on va se le dire. C'est-à-dire que oui, il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas sa place. Donc par rapport à ces consultations, je vais vous créer une adresse mail unique que je vais appeler, je sais pas, service consultation ou un truc comme ça, qui sera faite uniquement pour celle-ci avec un tarif unique, c'est-à-dire que je ferai soit 50 ou 60 €, on se fera 1 heure à 1 h 30 de consultation, on passera par Skype, j'en sais rien, je vais mettre ça en place et pour moi déjà ce sera une source financière qui sera un peu plus stable que les revenus YouTube qui fluctuent sans arrêt. Et puis je peux plus vivre comme ça, 200 balles par mois, il y a un moment donné où faut arrêter les frais. Je suis un professionnel, je suis enregistré, j'ai mon numéro Siret, je paye l'URSSAF qui me saigne chaque mois hein, parce que sur 200 à 250 €, ils me prennent 50 balles à chaque fois, donc je vous laisse calculer à la fin, il me reste rien, juste mes yeux pour pleurer. Donc ça génère encore une source de stress supplémentaire. Non, c'est plus possible. Je vous dis vraiment, il y a des choses qui ne sont clairement plus possibles et que je ne peux plus et que je ne veux plus accepter tout simplement. Donc maintenant, il faut que je pense comme un professionnel, il faut que je raisonne comme un professionnel, que je mette en place des services professionnels, que j'ai une attitude professionnelle, tout en gardant mon côté hein, fantabuleux, sinon je ne serais pas Jojo. Mais voilà, il faut que je raisonne d'une autre façon et que je fasse les choses autrement. Donc, je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai exactement les services consultation, comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Je mettrai en place également un planning que je partagerai en Drive afin que vous puissiez voir les
plannings. Je mettrai en place aussi des horaires qui seront uniquement des horaires consacrés aux consultations, point barre. Même moi, ça me fera du bien parce que du coup, ça va me cadrer un petit peu mes journées, ça va les rythmer, ce sera pas plus mal. Et voilà, et ces horaires-là, ce sera sur ces horaires-là. Là aussi, ce sera pas à la carte parce que j'en ai marre d'être à la disposition des gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un toutou parfois, je vous promets. Vous voyez pas derrière la caméra, mais j'ai l'impression parfois d'être un toutou. C'est-à-dire que les gens s'invitent chez moi, m'imposent des horaires, m'imposent des jours, m'imposent des choses, sans se soucier de savoir si j'ai une vie, si je suis en forme, si j'ai envie. Non, on s'en fout, on s'en fout. C'est Jonathan, tu te tais, tu es à ma disposition, je paye donc j'ai le droit de. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, je suis désolé. Quand on dit le client est roi, non, il y a des limites quand même. Je suis pas un larbin non plus, hein, clairement. Donc, il y a des choses maintenant, c'est moi qui vais imposer mon rythme, mes dates, mes horaires, mes créneaux, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Voilà, c'est, je suis pas le toutou de qui que ce soit, personne me siffle et je ne rapplique pas, hein, parce que ça aussi, ça commence sérieusement à me gonfler. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez l'impression que je suis en colère. Oui et non, en fait. C'est juste que je suis véritablement épuisé physiquement, parce que là, je viens de passer depuis dimanche les pires, je vous promets les amis, je n'exagère pas. Je viens de passer les pires jours de ma vie, je vous jure. C'est-à-dire que ceux qui m'ont suivi le samedi soir sur Twitch, on était en live, on s'amusait super bien, j'ai passé une super bonne soirée, j'allais très bien, hormis que j'avais chaud, mais ça c'est normal, il faisait chaud, il faisait franchement lourd, c'était pénible, donc j'avais juste chaud, c'est tout. Je finis mon live, je pars me coucher, et là le matin, je me réveille avec des courbatures. Bon, je me suis pas plus posé de questions de ça parce que toute la journée, j'avais joué avec le petit, on était parti se balader, marcher, on avait fait du vélo, etc. Donc je me suis pas posé de questions, je me suis dit, bah, c'est normal, t'as des courbatures, hein, il a fait chaud, le soleil, t'as marché, t'as bougé, c'est normal. Mais plus tard dans l'après-midi, j'ai commencé à pas être bien, c'est-à-dire que j'ai pris ma température, et puis 38, et puis 38,5, puis 39, puis 39,5, puis 40, et puis là, non, mais là ça l'est plus du tout, là, hein, très clairement. Hein. Donc Cédric a vite fait le nécessaire, il me collait des linges qui étaient bien humides, qui étaient frais pour essayer de faire descendre la température. La température est tombée dans la nuit, j'ai refait une petite rechute après dans le matin, sauf que cet invité, une amie dont je me serais bien passé, croyez-moi, excusez-moi, on va employer les termes cliniques, hein, il n'y a pas d'autres mots, hein, mais cet invité, une diarrhée, et encore diarrhée, n'est même pas le terme approprié pour ce qui sortait de mon corps. C'est-à-dire que je ne saurais même pas définir ce qui sortait de mon corps. Pour vous faire simple, pour vous donner une image, hein, de la soupe de. Comment on pourrait appeler ça? De la soupe de safran. Vous voyez le safran, la couleur qu'il donne. Voilà. Et ben de la soupe, mais vraiment, mais alors de la soupe plutôt type, comment on pourrait dire, vermicelle. Vermicelle, mais sans les pâtes, juste le bouillon. Voilà. Couleur safran. Voilà. Et c'est simple, j'ai regardé, je vous promets les amis, je n'exagère pas là encore. Montre en main, j'y allais toutes les 5 minutes. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'avais même pas le temps de me rasseoir, qu'il fallait déjà que j'y retourne. Hein. Et puis, des litres et des litres. Et là aussi, je n'exagère pas les amis. Je vous parle pas. Non, non, là, je parle vraiment de la bonne dysenterie des familles, hein, qui vous arrache le bide, qui vous pompe littéralement le peu de liquide que vous avez dans le corps. Et je peux vous dire que je me suis gavé d'Imodium, de Smecta, de riz en buvant l'eau du riz, l'eau de cuisson, banane, poire, pomme, compote. J'ai bu des litres et des litres pour compenser ce que je perdais. Tout, j'ai fait absolument tout, rien, absolument rien ne fonctionne. Donc, ce qui va se passer là pour les prochains jours, c'est que je dois aller voir le médecin en urgence. Je vais passer plusieurs examens pour voir ce que j'ai, en espérant que ce ne soit pas ce que j'ai déjà dans le ventre, hein, qui ait gagné un niveau, un échelon. Et honnêtement, vu la vie que je mène depuis plusieurs mois, je vais pas en reparler, hein, mais il y a déjà l'année dernière avec, hein, vous savez qui, que j'ai toujours là en travers de la gorge, qui m'a bien bousillé la vie et qui a permis à ce que ma santé aussi se dégrade, hein. Il y a eu le déménagement, il y a eu la maison, hein, tout ce qui se passait dans la baraque, il y a eu les différents problèmes, les différentes prises de tête, le Covid, les confinements, le vaccin. Oui, désolé, j'emploie les mots, hein, c'est pas grave. Mais il y a eu ça, il y a eu mon licenciement.
Non, trop pour le petit Jojo quand même, hein. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Plus le fait de vivre dans l'angoisse, le stress permanent, le fait d'être à la disposition de Pierre et de Paul et de ne même pas avoir en retour le quart de ce que je donne, et pire encore, me bouffer après des réflexions parce que tout ce que je fais, ça ne va jamais, il y en a jamais assez plus. Donc comment vous dire que là, je pense que le Jojo, il a la limite un petit peu du burn-out quand même. Même, hein, du burn-out et d'envoyer paître absolument tout le monde. Donc comme c'est pas le but de la manœuvre d'en arriver à ce stade-là, c'est pour ça que là je prends conscience que mon corps est en train de m'envoyer un signe très fort en me disant Jojo, stop les frais maintenant, là il faut que tu penses à toi tout de suite parce que regarde, je suis pas bien, je suis pas bien, je t'envoie des messages pardon, depuis le début de l'année. Je te fais comprendre que tu... Non, maintenant, stop. Là, maintenant, stop. Il faut que tu arrêtes. Tu stops, là, maintenant. Vraiment. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais stopper. Alors, attention, je vais pas stopper la chaîne, mais je vais stopper tout ce que je viens de vous dire, à savoir d'être à dispo pour Pierre et Paul, de me plier en quatre pour faire plaisir à Pierre et Paul. Ça, c'est terminé aussi. Fini. Ras-le-bol aussi d'être toujours conciliant. Ras-le-bol d'être toujours diplomate. Ras-le-bol de devoir toujours me justifier sur Pierre, sur machin. Non, là aussi, je m'en fous. Ras-le-bol, tout ça. Hein. Je suis un professionnel. Je suis enregistré au Siret, je paye mon URSSAF, donc je pratique les tarifs que je veux. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, j'en ai strictement rien à foutre. D'accord? Je vais proposer des services, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, là encore, je m'en fous. D'accord? J'ai plus envie d'être conciliant, c'est-à-dire, d'habitude, je suis toujours là à essayer de trouver des solutions pour faire plaisir à tout le monde. Non, maintenant, c'est blanc ou c'est noir. Si ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, eh ben, tu vas voir ailleurs. Je pense que sur la planète YouTube, Facebook, Instagram et compagnie, on est suffisamment nombreux, hein, voilà. Donc maintenant, je vais fonctionner comme ça, c'est tout. Hein. Attention, ça veut pas dire que je vais me transformer en quelqu'un d'horrible, de méchant, de pas du tout. C'est juste que je réalise quand même que j'ai 35 ans, que je suis en train de me bousiller littéralement la santé, qu'une vie, on n'en a qu'une seule, et que moi, en l'occurrence, je suis en train de la passer au service des autres pour n'avoir quoi en retour que des coquilles d'œufs. Donc non, 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 c'est pas, non, c'est pas, non, c'est pas juste, ce n'est pas équitable. Moi aussi, j'ai le droit aussi d'avoir ma part du gâteau. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça que je vais arrêter. Ensuite, concernant les rituels de pleine lune, parce que ça aussi, il faut que je vous en parle, tout ça, je vais les continuer, parce que c'est quelque chose qui me plaît, ça me fait du bien, moi, à titre personnel, parce que ça me permet de pouvoir rythmer ma pratique magique aussi. Donc quelque part, vous êtes un exercice pratique pour moi, et en même temps, ça me fait aussi plaisir, parce que je sais que ça vous fait du bien pour vous. Vous êtes quand même plusieurs à m'écrire, à me partager vos résultats, à me dire, bah écoute, Jojo, je sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis que t'as fait ça, bah, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé mon appart, j'ai moins mal au ventre, j'ai ceci. Bref, ça me fait du bien, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, bah, c'est cool parce que ce que tu fais, voilà, tu le fais avec le cœur, tu le fais avec sincérité, tu es entendu, tu es écouté, on réalise ce que tu demandes parce que tu le fais pour les autres et pas pour toi avant tout. Voilà, ça me fait plaisir. Donc les rituels de la pleine lune, ils vont continuer. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas encore réalisé celui de la pleine lune là qui vient d'être faite parce que ce que je viens de vivre ce week-end, pour moi, vous le savez, hein, comment je réagis, pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Et ce que je viens de vivre ce week-end, c'est un message fort pour me dire non, Jonathan, tu ne devais pas le faire ce week-end. Pourquoi? Parce que les énergies sont beaucoup trop fortes et je pense que même toi, en fait, tu n'aurais pas pu les contrôler, ces énergies. Vous le savez, je veux faire la balance karmique, c'est-à-dire magie blanche, magie noire, pour réaliser un vœu et détruire un anti-vœu. Et je voulais profiter des énergies d'alignement planétaire, de la lune de sang, etc., etc. Mais le fait qu'on me cloue littéralement sur les toilettes avec l'impossibilité de faire quoi que ce soit, parce que quand vous avez 40 de fièvre avec une bonne dysenterie qui vous arrache les intestins, croyez-moi que vous connaissez même plus votre prénom à la fin. Hein, voilà. Donc là, on m'a envoyé le message fort pour me dire non, Jojo, c'est non, ne le fais pas maintenant. Attends que les énergies redescendent un petit peu. Tu pourras toujours profiter des énergies de la pleine lune parce que l'alignement planétaire, il est toujours là. La pleine lune, elle est toujours là. Mais voilà, il fallait pas que je le fasse au pic même, hein, comment on pourrait dire, au zénith du truc parce que c'était trop fort. Et je pense que mon corps y a aussi réagi dans le sens où j'en ai parlé avec Lily et d'autres en live. Mais vous ressentez pas, dites-moi-le en commentaire et soyez honnête, s'il vous plaît. Vous avez pas l'impression que depuis... Je sais pas, depuis 2-3 semaines, il y a une ambiance bizarre.
Je sais pas, on dirait qu'il y a un truc dans l'air. Il y a une énergie bizarre, il y a une ambiance bizarre, les gens sont bizarres, ils sont méchants. Alors, ils sont méchants déjà depuis un petit moment, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça augmente. Ça augmente de façon exponentielle avec le temps. Les gens sont hyper agressifs, ils sont hyper méchants. Ils sont là à vomir leur haine, leur colère et compagnie de façon totalement injustifiée. C'est-à-dire que vous, vous passez là, vous vous en prenez plein la tronche alors que vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait. Et pire encore, on vous accuse, vous, alors que vous, vous n'avez rien fait, c'est ça le pire quand même. Et je sais pas, puis il y a une ambiance dans l'air, alors je sais pas si... Je veux pas jouer pardon, je ne veux pas jouer mon complotiste, mais va savoir ce qu'on bouffe, ce qu'on respire, ce qu'on boit et compagnie. Je sais pas, parce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui souffrent bizarrement des mêmes maux que les miens, c'est quand même drôle. Il y a beaucoup de similitudes avec ce que je vis, hein. Bizarrement, toutes les maladies que j'ai eues là depuis début d'année, étrangement, les personnes avaient la même chose que moi au même moment. C'est bon, quand vous en avez une ou deux, vous dites bon, c'est un peu le hasard. Mais quand vous en avez plusieurs qui sont là comme moi, quand même, j'ai entre guillemets la chance d'avoir 10 000 personnes à peu près qui me suivent et qui sont là à me dire mais Jojo, j'ai la même chose que toi. Et puis je le vois régulièrement et chronologiquement, on a les mêmes choses à peu près au même moment, hein, à 2, 3 jours, une semaine d'écart, on a les mêmes choses. Donc je me dis non, mais là c'est pas une coïncidence, là il y a quand même un truc. Donc qu'on vienne pas nous traiter de complotistes alors que je sais pas, je pense qu'il y a des trucs qu'on nous fait bouffer, des trucs qu'on boit, des trucs qu'on respire ou je sais pas quoi, qui nous mettre dans cet état. Parce que je vous jure, les amis, de toute ma vie, je n'ai jamais été autant malade que depuis début 2022. Je vous dis, depuis mon arrachage de dents. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié aux dents? Je ne sais pas non plus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais quand même, voilà, la constatation, elle est là, c'est que depuis début de 2022, je sors à peine d'un truc que je chope un autre truc derrière. C'est réglé comme du papier à musique. Donc là, non, ça ne fait plus rire. Et puis là, comme je viens de souffrir depuis dimanche, ah non, mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc je vous dis, je vais aller chez le médecin en urgence, je vais faire des examens approfondis, je vais aussi me pencher sur ce qui évolue dans mon ventre pour savoir si c'est ça, si ça a évolué, et si ça a évolué, je vais devoir prendre des mesures, je vais devoir faire certaines choses, parce que voilà. Un jour peut-être, je vous ferai une vidéo et je vous parlerai de ce que j'ai exactement dans le ventre, mais à l'heure actuelle, c'est une maladie qui est entre guillemets connue, mais il n'y a pas de remède pour cette maladie. C'est-à-dire qu'on la connaît mal, on ne sait pas comment on la soigne, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle conduit au cimetière. Voilà. Donc voilà. Oui, je vous en parle, vous le savez, j'ai pas de secret pour vous. Et par conséquent, cette maladie, on sait par contre que elle évolue en fonction de notre comment on pourrait dire? De notre environnement, hein. C'est-à-dire que si on est stressé, si on est angoissé, si on est contrarié, si on mange mal, si on n'a pas un régime alimentaire, si on n'a pas un certain rythme de vie, une certaine hygiène de vie, etc., eh ben, la maladie, elle prend de l'ampleur. Et là, très clairement, depuis, non, en fait, pour être honnête, c'est depuis même en fait 2019, depuis 2010, depuis mon licenciement économique. C'est depuis mon licenciement économique que les choses. Voilà, j'enchaîne merde sur merde sur merde. Alors bien évidemment, ceux qui ne m'aiment pas doivent mais en rire au plus haut point. Et puis pour un peu que ce soit des personnes qui traficotent avec des poupées ou on ne sait quoi, hein, ils doivent encore mieux en rire en disant ah ma magie fonctionne, il souffre, ça me plaît. J'ai envie de dire à ces personnes-là, faites bien gaffe parce que je vais m'occuper de vous d'ici peu de temps, croyez-moi. Parce que là aussi je suis gentil, mais il y a un moment faut arrêter de déconner. C'est-à-dire que si vous voulez jouer au sorcier, il n'y a pas de problème, on peut tous jouer aux sorciers, hein. Manipuler des mauvaises énergies, des énergies noires, je sais faire, et croyez-moi que j'excelle particulièrement dans ce domaine, hein, parce que n'oubliez pas que je suis quand même affilié à certaines entités, hein, enfin c'est plutôt certaines entités qui sont affiliées à moi, que je n'ai pas choisi, et par conséquent n'oubliez pas que mes rituels fonctionnent aussi, hein, et qu'il me suffit de demander des choses pour que certaines choses arrivent, et parfois prennent une ampleur même qui dépasse ce que j'aurais pu demander, hein. Donc pour ceux qui veulent jouer aux sorciers, il n'y a pas de problème, je sais aussi jouer aux sorciers, hein. Donc ceux qui essayent de me bousiller ma vie d'un côté, je peux faire aussi, je sais faire. Hein, voilà. Comme ça, cette vidéo servira de preuve devant un tribunal, hein, comme ça on pourra me condamner à un bûcher en disant Monsieur Jonathan Robert, vous êtes condamné pour magie noire. Voilà, bon.
fois. Excusez-moi, c'est les nerfs qui parlent. Non, mais voilà, il y a un moment donné où c'est vrai que je me pose la question de me dire, mais Jojo, en fait, tu dois subir une malédiction, c'est pas possible. Non, je vais vous dire la vérité, je ne crois absolument pas que je souffre d'une malédiction, vraiment pas, parce que je sais que je suis protégé, je sais que voilà, je sais. De toute façon, depuis que je suis né, il m'arrive des merdes. Donc, ce qui m'arrive là, c'est juste la continuité de ce que je vis depuis que je suis né. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au fait qu'on puisse, alors je dis pas que je ne crois pas aux personnes qui peuvent travailler sur moi, mais je ne crois pas à l'efficacité de leur travail, c'est ça en fait auquel je ne crois pas, parce que ce que je vis, et encore je trouve que ce que je vis là, c'est moins pire que ce que j'ai vécu il y a plusieurs années quand même, hein. C'est-à-dire que pour ceux qui travailleraient sur moi, va falloir monter d'un cran, va falloir faire mieux quand même, hein, parce que là, là c'est de la rigolade, hein. Mais voilà, non, mais plus sérieusement, voilà, il y a des choses que je ne veux plus et qui doivent changer impérativement, très clairement. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qui va advenir de la chaîne ? Eh bien rien du tout, elle ne va pas changer, rien ne va changer, les vidéos seront toujours là. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être tout petit là aujourd'hui, je sais pas mon cadrage, je pense qu'il est trop haut. J'ai l'impression d'être tassé. Bon. Ah, c'est pas grave, ça fera bien l'affaire. Donc je vous disais que la chaîne, rien ne va changer, j'ai toujours des choses à vous faire. Par exemple, Arcana Sacra m'avait envoyé plusieurs tarots, je vous ai pas fait la review, je vous la ferai là. Mais ça aussi, je veux plus en fait m'imposer ça. Je veux plus me dire, oh, Jojo, il faut que tu fasses ça. Non, je le fais, je le fais, quand je me sens de le faire, quand j'ai envie de le faire, quand mon corps aussi me permet de pouvoir le faire. Parce que à force de tirer sur la ficelle, elle va finir par claquer. Et je le sens dans mon fort intérieur que là la ficelle elle est bien décharnée, hein, et que si je continue à tirer dessus ça va très mal se terminer pour moi. Donc là non, il faut vraiment que je prenne soin de moi impérativement, il faut à tout prix que je me soigne aussi, ça c'est la priorité absolue, vraiment absolue, parce que je promets, j'en ai marre d'être malade, et ce que je viens de vivre là, et là au moment où je vous parle, je me suis gavé là de cachet pour essayer de tenir un maximum ma vidéo, mais c'est là. Donc non, ça là, ce que je viens de vivre, c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Et pour le coup, je le souhaiterais. D'habitude, je souhaite jamais le mal à qui que ce soit. Mais là, franchement, ce que je viens de vivre, je le souhaiterais volontiers à certaines personnes pour qu'elles puissent comprendre que la vie est tellement fragile et qu'elle ne repose strictement sur rien. Juste un équilibre très subtil et qu'il suffit de pas grand-chose pour que les choses puissent basculer. Franchement, ouais, je le souhaiterais juste pour que certaines personnes puissent tirer des leçons de ça, très clairement. Donc, comme je viens de vous le dire, la chaîne ne changera pas, on va continuer, mais simplement, je vais arrêter le rythme effréné de faire une vidéo par jour, hein, vous le savez, entre tourner la vidéo, la monter, la poster, tout le côté publicité avec le fait de relayer sur les réseaux sociaux, les hashtags, les machins, les statistiques et tout ça, je peux plus, je n'en veux plus. Donc maintenant, je fais une vidéo parce que j'ai envie de la faire, parce que je prends du plaisir à la faire et c'est tout. S'il y a un jour, je fais pas de vidéo, eh ben j'en ferai pas, c'est tout. Ma vidéo, elle fait 200 vues, eh ben tant pis. Ma vidéo, elle fait 1 million de vues, eh ben tant mieux. Mais voilà, c'est maintenant, je veux vraiment être comme ça, je m'en fous. Côté financier, comme je l'ai dit, donc je vais reprendre les consultations, ça sera un seul tarif, 50 ou 100 euros, je vais voir, parce que là aussi, il faut que je m'aligne avec les prix des autres, hein, parce que sinon, on m'attaquait pour concurrence déloyale, machin et tout, bidule truc, donc je vais appliquer mes tarifs, ça sera un tarif unique pour tout le monde, c'est tout, c'est voilà, hein, après tout, quand on va chez un psy, on paye un tarif, quand on va chez un coiffeur, on paye un tarif, quand on va machin, on paye un tarif, on n'est pas là à négocier, oh, dites donc, vous êtes, pardon, psychologue, oui, d'accord, vous avez un doctorat, d'accord, oui, mais ça justifie quand même pas le prix de 80 euros par séance. Eh ben, si t'es pas content, tu vas ailleurs, hein, ou tu vas pas voir de psy, ou tu vas chez un autre, mais voilà, je sais pas, moi, il y a des services, comme ça, on négocie pas, ça ne se fait pas, hein, quand, vous-même, quand vous travaillez, vos clients sont pas là à négocier en disant, non, je sais pas, ça se fait pas, hein, c'est, d'une part, c'est mal poli, non, en fait, c'est juste mal poli, c'est, faut avoir un culot monstrueux pour dire, non mais c'est incroyable, nanana, le tarif, ben si t'es pas content, tu vas ailleurs, c'est aussi simple que ça, fais pas chier. Non mais c'est vrai, quoi. Voilà. Et pour le rituel de la pleine lune, je vais m'en occuper là, cette semaine. Effectivement, comme je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un signe. Et je le perçois vraiment dans le sens où, non, Jonathan, il faut pas que tu le fasses maintenant, aussi fort que tu sois. Non, là, les énergies sont beaucoup trop fortes pour toi. Et ce que tu allais faire
pendant cette période-là allait probablement te consumer. Donc là, vraiment, je vous le dis par rapport à mon ressenti, ce que je viens de vivre là, c'est un message fort pour me dire, on va te clouer, désolé, ça va être violent, ça va être méchant, mais on va te clouer volontairement au lit pour pouvoir te protéger de ce que tu t'apprêtes à faire qui va être extrêmement fort. Donc je vais attendre que les énergies redescendent un petit peu, que la pleine lune commence un petit peu, j'allais dire sa descension, mais ça veut rien dire. Sa régression, hein. Comme ça les énergies vont légèrement descendre, mais je serai toujours connecté aux énergies, donc rassurez-vous, le rituel fonctionnera toujours autant. Simplement, je pense que c'était beaucoup trop fort, hein. Vous imaginez, c'est comme si, je sais pas, j'avais une marmite de pétrole et que je venais y jeter encore de la vodka ou je sais pas quoi dessus, hein. Voilà. Voilà. Moi, je le vois comme ça en tout cas, c'est que rajouter de l'énergie forte à quelque chose qui est déjà très fort, ça risquerait de faire un cocktail explosif et de consommer tout le monde, de faire une, je sais pas, une réaction en chaîne, une bombe atomique spirituelle. Donc non, je pense que c'était vraiment un signe. En plus, c'est arrivé, c'est pile arrivé, hein. Pile. Mais alors pile pile à ce moment-là. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le samedi j'allais bien, j'ai fait un live jusqu'à 1h du matin, ça allait bien, et boum, le dimanche matin jusqu'à bah là, c'est parce que c'est pas fini, hein, mais à partir du dimanche matin, jour justement où la pleine lune arrivait à son apogée, hein, et le pire a été dans la nuit du dimanche au lundi. La nuit justement où la lune, c'était la lune de sang et tout, là ça a été le pire de chez pire de chez pire. Parce que non seulement j'avais les 42 fièvres, mais je me vidais littéralement comme un porc, mais c'est par tous les trous, c'est une fontaine, vraiment. Là, très clairement, j'ai compris que voilà, il y avait un message très fort, hein, ouais. Bon, je vais pas mieux vous retenir. Je tenais juste à vous faire ces annonces-là parce que je sais que vous êtes plusieurs à vous inquiéter pour moi. Vous m'avez envoyé des messages privés, des mails, et ça me touche beaucoup. Merci, vraiment, merci à vous tous. Ne changez rien, vraiment, ne changez rien. Vous êtes toujours bienveillants avec moi. Et ça me touche profondément. C'est pour ça que toute cette aventure, je compte pas l'arrêter. Et il y a rien qui va s'arrêter. Simplement, il faut que je pense plus à moi. C'est tout. On peut très bien penser aux autres, être entre guillemets au service des autres, mais sans s'oublier soi-même. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et depuis déjà plusieurs mois, je m'oublie complètement. Je me consacre aux autres, à leur bien-être, à me plier en quatre, à toujours être conciliant, à toujours être diplomate. Et à la fin, eh ben, c'est moi le couillon parce que c'est moi qui me retrouve le bec dans l'eau avec rien. Et pire encore, je me retrouve à être accusé, machin, à être mis sur un peloton d'exécution. Non, c'est plus possible. Les gens, franchement, ceux qui sont frustrés, qui sont mal lunés, ou mal hein pas employer le mot parce que c'est trop vulgaire. Mais voilà, toutes ces personnes-là, si vous avez des problèmes psychologiques ou psychiatriques, allez voir quelqu'un, allez consulter, ou allez taper dans un tronc d'arbre, faites quelque chose. Mais arrêtez de prendre les gens pour des boucs émissaires, de vomir votre colère sur les autres, de rendre les autres responsables de vos échecs dans vos vies. Si vous êtes malheureux dans votre couple, dans votre travail, ou je ne sais quoi, il y a un moment donné où allez consulter, faites quelque chose. Mais arrêtez de jeter la faute sur les autres, très clairement. Hein, voilà. Ça serait le message aujourd'hui, ce serait le message de guidance. Et je vous invite à réagir de la même façon que moi. C'est-à-dire que ne vous laissez plus empoisonner par les gens toxiques. Ne permettez à aucune personne de baver son vomi, sa colère, sa diarrhée sur vous. Non, ne laissez personne le faire. Et si c'est déjà le cas, eh bien réagissez et envoyez paître ces gens-là. Débarrassez-vous des personnes toxiques. Alors quand je dis débarrassez-vous, c'est pas dans un sac poubelle, dans un fossé sur la route, hein, qu'on soit d'accord, parce que là aussi, je ne voudrais pas voir la police arriver en disant alors comme ça, monsieur, vous prescrivez de vous débarrasser des gens. Non, ça a été mal interprété, monsieur l'agent. C'était pas ça ce que j'avais prescrit. Donc quand je dis de vous débarrasser, c'est de vous en débarrasser de vos vies, de les expulser, de dire et puis n'ayez pas peur de dire les choses, de dire écoute Martine, t'es gentille mais je t'entends te plaindre depuis des mois, je suis désolé, le prends pas mal, hein, mais tu es quelqu'un de toxique pour moi et je préfère que notre relation s'arrête là pour mon bien à moi. Voilà. N'ayez pas peur de le dire, de le faire parce que ça sera bon pour vous. Parce que la personne, on s'en fout, vraiment on s'en fout. J'ai envie de dire chacun ses problèmes, chacun sa diarrhée, c'est le cas de le dire. Hein, voilà. Y a un moment donné, on n'est pas Mère Teresa, on n'est pas le Dalai Lama, on n'est pas Jésus-Christ. Donc il y a un moment, hein, voilà, c'est stop, stop les frais, stop la bêtise, stop, stop. L'altruisme, il y a une limite quand même à l'altruisme.
C'est-à-dire que l'altruisme commence, enfin s'arrête là où la bêtise commence. Et je pense qu'on est beaucoup quand même à ne plus être sur l'échelle de l'altruisme, mais à l'échelle de la connerie bien avancée quand même. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on est là, on n'ose pas dire non parce qu'on veut pas faire peine, donc on prend sur nous, on le fait quand même. On n'ose pas dire merde à machin parce que sinon il va mal le prendre et compagnie de... Et nous, pendant ce temps-là, ça monte, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça, ça monte comme ça, et puis ça déclenche tout un tas de mots à l'intérieur de nous, hein, des cancers, des plein de choses, des... Alors attention, quand je dis cancer, je m'entends, hein, tout le monde, tous les cancers ne résultent pas de ça, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est une cause possible, enfin c'est une conséquence possible, hein. Les ulcères, le stress, l'angoisse, les insomnies, les machins, comme ça, et puis après on finit chez le psy avec du Xanax, du Prozac, du Valium et compagnie, parce que voilà, et puis après on finit en burn-out, en déprime, et puis on finit agoraphobe parce qu'on supporte plus les gens et non mais c'est complètement débile d'en arriver à des extrêmes là à cause de personnes qui sont toxiques, qui sont malhonnêtes, qui sont ceci, qui sont cela, qui vous bouffent du temps, qui vous bouffent de l'énergie, des vampires psychiques et... Ne dites non. Voilà, aujourd'hui c'est la leçon que je vous donne, pas de cartes, pas de livres, rien du tout. La leçon que je vous donne, c'est apprenez à dire non vous aussi, à réagir, faites du tri dans votre vie de façon active, ne vous laissez plus bouffer par les gens et si ça leur convient, c'est bien, si ça leur convient pas, ils dégagent, voilà. Et sans regret, vraiment. Bon, allez, sur ce, les amis, encore une vidéo trop longue, c'est pas grave, j'en avais besoin de vous dire des choses, de vous confier. Et puis, cette vidéo, je vais même pas me casser la nénette, je vais même pas, enfin, je vais tout juste la monter, hein, et puis, hop, elle partira comme elle partira, je m'en fiche. Et puis, voilà, en attendant, moi, je vous embrasse très fort, on se retrouve... Je l'espère dans la semaine là pour déjà je vous donnerai des nouvelles pour vous dire comment s'est passé les examens, les résultats que j'ai eu, etc. De quoi je souffre exactement. Et puis si ma forme me le permet, bah on se fera des petits trucs. Je vais essayer de reprendre aussi doucement les lives sur Twitch, j'espère en fin de semaine si je suis en forme. Et puis voilà, donc n'hésitez pas hein, à me rejoindre sur Twitch, etc. Vous le savez, là aussi j'en ai marre de faire le racolage de youtubeurs. Vous savez ce que vous avez à faire, hein, si vous voulez liker la vidéo. Vous le faites, si vous voulez la partager, vous le faites, si vous voulez vous abonner, vous le faites, si vous voulez faire un don, vous le faites aussi, parce que bah, vous le savez aussi, on a tous besoin de sous, et voilà, donc je m'en cache pas là aussi, ras-le-bol d'être pudique par rapport à ça, non, je suis un professionnel, je dépense énormément pour la chaîne, pour tout le monde, donc ce serait bien aussi que je puisse avoir un retour sur mon investissement, donc ceux qui veulent participer aux frais, vous êtes les bienvenus, très clairement, et puis voilà, sur ce, prenez bien soin de vous les amis, et puis je l'espère qu'on se retrouve vite là cette semaine. Hein. Allez, bisous à tous.